Qu'est-ce donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Je puis néanmoins dire hardiment que je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé; que si rien n'avenait, il n'y aurait point de temps à venir; et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. En quelle manière sont donc ces deux temps, le passé et l'avenir? Puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore. Et quant au présent, s'il était toujours présent et qu'en s'écoulant il ne devint point un temps passé, ce ne serait plus le temps, mais l'éternité. Si donc le présent n'est un temps que parce qu'il s'écoule et devient un temps passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit, laquelle n'a autre cause de son être, sinon qu'elle ne sera plus De sorte que que nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être plus.